Découvrons à présent le talent caché de certains jeunes immergés dans l'entrepreneuriat. C'est au cours de la première édition des journées de financiers organisées par les étudiants de l'Institut national des sciences de gestion. Compte rendu, Eric Nzengi Mbadinga et Francis Ngomo. La première édition des journées du financier de l'Institut national des sciences de gestion avait pour thème Quelle littératie financière pour les futurs professionnels de la planification financière plus prometteur? La littératie financière, c'est le fait d'avoir des connaissances, des aptitudes et la confiance en soi nécessaires pour exécuter avec succès les opérations financières de tous les jours. Les discussions et échanges sur ce thème ont édifié les étudiants. La journée, en fait, a permis de mettre en place une plateforme de discussion entre les professionnels de la finance et les étudiants. Et c'était vraiment bénéfique dans la mesure où ce que nous faisons en classe, c'est plus de la théorie. Là, nous avons eu les éclairages de professionnels. Et cela nous a beaucoup édifiés sur la finance. En fait, cette journée était un cadre de réflexion et d'échange, de partage entre décideurs de la planification financière, ceux qui travaillent déjà, des professionnels et étudiants. Ce que cette journée a apporté comme échange, sinon comme résolution, c'est déjà le fait que les entrepreneurs, sinon les chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise sont venus, nous ont parlé de leur entreprise, du fonctionnement de leur entreprise, nous ont présenté leur entreprise et nous ont présenté les différents pans de la finance et les véritables aspects que devrait regorger un financier afin d'être un futur décideur de la planification financière plus prometteur. Plusieurs communications qui portaient sur la BVMAC, Aura Bank et la finance islamique ont captivé l'auditoire. Cette première édition des Journées du Financier favorisera le rayonnement de l'Institut national des sciences et de gestion. La participation des jeunes à la construction du Gabon émergent, c'est un challenge. Et il se construit ici, dans les établissements d'enseignement supérieur, surtout. Il faut que les établissements aient confiance à nos partenaires et que nos partenaires aient confiance à nous pour créer ce lien qui fera que nos établissements auront un rayonnement progressif. Les étudiants de l'Institut national des sciences de gestion feront de la littératie financière un viatique qui leur permettra de posséder les connaissances nécessaires à leur culture financière.